Salam alaikum Boki. En tout cas, c'est une première émission qui est les personnalités du social. Alors, nous sommes venus, c'est Abraham Baldé, qui a fait un acte social. Nous sommes venus à l'Askanou Kolda, qui a fait un acte social. Nous sommes venus à l'Askanou Kolda, qui a fait un acte social. Nous sommes venus à l'Askanou Kolda, qui a fait un acte social. Nous sommes venus à l'Askanou Kolda, qui a fait. Alors, gis nga tay li nga xamantene mom moy xofi tay. Alors, noko jangate tay. Assalamu alaykum, nuyu len, geureum len, sante len. Ki comme baba num ko waxe fi ci monsieur Doura Baldé, ki nga xamantene tay dafa indi ndimbalam pour population Kolda, li nga xamantene li askan Kolda di xaar ci ñi nga xamantene ñom ñoy suñu nguur ci bir Kolda. Alors, gis nga ne ki fu tane préfet def na fi tew action sociale tamit ñoo ñu féké li nga xamantene mom mo ndaje gi. Ñi nga xamanteni tamit mom moy Imam Latim bu Kolda ñew na fekke naji bi li ñu def moy kini en tout cas daali deglu li nga xamanteni mom la gaay wax ci ay cadeau ci cérémonie de lancement bi dina yum fegu na am walum fi sabilillah kamasli habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mitu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim o wi kala neddo mu ganduda wadi ko waawé doole mum nafaqi nafake o no fotirtani neddo waawa dum gimdade way tan ko na gawa tubaño abere tubaño wotere abere nde fuudo gawjal gal wada tubaño jeedidi tubaño fo wada temedere adandi dum ne heewi wada temedidi jeedidi so woto e ko buri dum e ko buri dum Allah non wadirta non kala buyde wadande do ko ballal wuro ngo ko ballal julbe ko ballal fof julbe be ngana julbe fof foti hen sabu ko kala bu ala dole ene na tawa hen president non wadi kala fonnodo hebde bu ganda ko fonnodo hebde ben kebi kono yimbe be ne ki won be ganda porani hebde kono non ne batti hen hakillaaji mum men ko hono ben gardon jeewde itton goddol mabbe gol e maaro ko kam onon ne woda ko badan don dum non ko biddo wuro tan wawata no wadde ko biddo wuro andata dum dum non min jetti hen dendangal sukaabe men wadde non baddani kambe fuu be mbadi hen ko be mbaali kambe en Moussa Balde en Bibi en kambe fuf mayam boy en kambe fuu be mbadi anne kede ari wadi onon fuf ko yidde wuro ngo yo Allah nawru mon yeso e dum do ene mawnitu Allah parce que sadak dum do ko wayno sadak ko sabi Allah kala ko mbadirda sabi Allah e jawdima dum ene mawni wonata ko e mawndu way ko neede mbalumum wala nagemu nge wonata tan ko e jibinde ne beydo tuma de jahoytaato joomiraado subhanahu wa ta'ala atawaton ne heewi ne heewi yalla yob dum jobdi mojjiri donc c'est nous qui avons travaillé sur le ciblage comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur Abdourahmane Baldé nous nous sommes inscrits sur la logique prônée par l'état c'est-à-dire aller vers les ménages vulnérables et les ménages impactés et pour ce faire Nous n'avons pas eu besoin de réinventer la roue. Il y avait déjà des commissions sur place, mises en place par l'État, qui travaillaient déjà sur un ciblage. Nous sommes allés tout simplement demander à nos cellules de se rapprocher à ces comités-là pour voir les ménages qui remplissent les critères, mais que le quota n'a pas pu couvrir. Donc il faut aller recenser ces ménages-là. Et ces ménages ont été recensés. Actuellement, nous avons centralisé vraiment tous les ménages par quartier et pour procéder au travail. Mais au-delà de ça, comme on l'avait dit, il y a des personnes impactées, comme nos amis qui sont nos amis ouvriers, mais également certaines personnes vulnérables qui ont été impactées, mais peut-être qui ne sont pas forcément dans les quartiers. Et nous avons essayé de cibler ces gens-là. Nous avons prévu également de remettre à ces gens-là. Je veux nommer vraiment les transporteurs, les ouvriers, et les personnes vivant avec handicap. Hein, toutes ces personnes-là aussi sont ciblées et ils auront leur part. Maintenant aussi dans le dispositif de distribution, nous allons trouver les moyens nécessaires pour acheminer les vivres dans les quartiers. Et grâce à nos cellules qui sont là-bas, ils vont réceptionner les vivres et ils vont se charger
de transmettre les vivres aux cibles en toute discrétion et avec tout le respect qui s'y est. Nous avons tous constaté l'arrivée d'une maladie qui effectivement a fait en sorte que chacun d'entre nous a pris du recul sur plein de choses. Il y a eu un ralentissement de l'économie. Les gens vivent des difficultés énormes qui expliquent que beaucoup sont vraiment dans la précarité aujourd'hui. Et nous avons écouté l'appel du président de la République, monsieur le président Macky Sall, qui à travers ses messages a appelé tout le monde d'abord à rester chez soi, à respecter les consignes et les mesures requises pour éviter de choper cette maladie, mais aussi à faire un appel pour un élan de solidarité. Et nous, c'est dans ce sens qu'on est en train d'essayer, autant que faire se peut, de participer à cet élan. Nous avons, avec le mouvement Kolda Dobou, pour ce qui nous concerne, décidé, en dehors de ce que l'État a mis en place pour accompagner les populations, de venir nous aussi contribuer à notre manière. En quoi faisant ? On a mis en place un comité, on vous donnera les détails, qui est allé recenser au niveau des délégués et chefs de quartier tout ce qui pourrait être bénéficiaire de l'aide alimentaire que l'État a donnée et que peut-être par manque de quota ou en tout cas de disponibilité pour tout le monde n'a pas pu en obtenir. Nous sommes allés travailler avec ces gens-là pour récupérer quelques ménages nécessiteux, j'insiste bien sur ça, qui n'ont pas pu être enrôlés, mais qui pourront avoir besoin d'accompagnement. Donc ce qui explique un tout petit peu notre démarche. On vient en complément à l'action du président de la République. On ne vient pas pour se substituer, on ne vient pas également pour remplacer ce que l'État est en train de faire. Nous pensons que pour chaque fils de chaque terroir, nous pensons que chaque personne dotée de quoi que puisse être pour aider les populations doit, dans là où il est, essayer d'apporter en tout cas son aide à ceux qui sont très vulnérables, qui ne peuvent plus sortir comme ils en ont besoin, qui ne peuvent plus presque travailler pour certains et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, je suis venu en compagnie de mon chef de service départemental de l'action sociale procéder à la réception de cette contribution importante de M. Abdourahmane Baldé du mouvement Kolda Dobou, qui est une contribution à l'effort du chef de l'État dans le cadre de l'assistance aux ménages vulnérables en vivres alimentaires. Donc je voudrais véritablement adresser donc mes félicitations aux généreux donateurs. Comme vous le voyez, donc il s'agit donc de quantités importantes en riz, huile, sucre et détergent. C'est donc un appui qui est destiné aux populations vulnérables non touchées par l'assistance alimentaire. Comme vous le savez, dans le cadre de l'assistance alimentaire, il s'agit donc les personnes ciblées, ce sont les personnes qui figurent sur le registre national unique. Et en dehors de ces personnes-là, donc il y a des populations vulnérables qui sont ciblées sur la base d'un quota alloué à chaque quartier et à chaque village. Comme vous le savez, donc quand on parle de quota, ça veut dire qu'on ne pourra pas toucher tout le monde. Donc cet appui vient à point nommé pour pouvoir toucher les personnes vulnérables qui n'ont pas pu bénéficier de l'assistance alimentaire dans le cadre des vivres du Force Covid. Pour cela, vraiment, je voudrais remercier sincèrement donc, le généreux donateur au nom du comité départemental de gestion que nous présidons. Donc, nous sommes toujours preneurs en ce qui concerne toute initiative allant dans le sens d'apporter main forte à cet élan de générosité. D'autres personnes l'ont fait, d'autres également se sont signalées pour des actions ultérieures. C'est le lieu vraiment de remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la lutte contre le Covid-19, tant en moyens matériels et que financiers. Voilà, donc jot ngeen setan li nga xamantene mo nekkone li nga tam mom la imam dadi wax ki nga xamantene moy préfet département dadi ko wax
ki nga xamantene également ñom ñoy géré comité bu doon def sélection yi nga xamantene ci famille ñom tane li ñu wax ci li nga xamantene mom moy waxtaan bi je pense que jari imam limu wax amna solo préfet bi limu wax amna solo ci nga xamantene mom moy wal distribution bi ah yakar na ñew na asoneur parce que li mom ndimbal li nga xamantene heure mu ñu baax trop deug la préfet wax na li am solo néne vraiment dafa contane ci doomu kolda yi ndax gis na li dura balde def ak ñi nga xamantene jot nañu jaar di maye néne vraiment dafa rafetlu ki ndimbal bobu nonu ndax ñun ñëpp xam nañu kolda bari na ñi nga xamantene dañoo neew doole donc sous président de la république joxé dara té ñu xol lool nonu amna ñi nga xamantene amuñu ko am les fils de kolda mo ñi nga xamantene ñom ñoo ñu togal ci nguur yi ñom ñu indi li nga xamantene ay ndimbal la di mëna compléter li nga xamantene lool mo déssone kon mom dafa rafetlu loolu imam bi dafa rafetlu li nga xamantene ndimbalu Abdourahmane Baldé ñu xamé ko ci Doura Baldé néné so ndimbal ci affaireu l'islam dafa nek lo xamantene lu am solo la ndax yalla mom mo ñëkke santané ñuy dimbalante suñuy biir néné mu ngi ñaanal Doura Baldé té du rafetlu li nga xamantene loolu la ñëw joxé ba paré mu ñëw di wax ci affaireu juma yi té ñun ñëpp xam nañu instant bi kenn du dem nafi la ndax coronavirus néné yalla mom mo ñëkke wax su li melni amé su nguur gi joxé ordre dañ ko wara respecter légui ñom avant ñuy tej juma yi ñom dañu dajalé won ñu waxtaan seen biir ñu wax li nga xamantene lu am solo la ndax juma yi ñepp xam nañu dafa xat mënuñu respecter les maîtres qui ont été dictés par le président de la république et les personnels de santé néne lool motax ñom ñi nga xamantene ñom ñoy imam yi ci biir dekk bi moy kolda ñu tok waxtaan ñu xamne vraiment nañu bay affaireu dem juma ji ba febar bi joge fi ci suñu rew waaw jaari li nga wax non la kon nak mbokk yi loolu mo nek li nga xamantene mom ñu jema franc fatch ci nga xamantene mom moy ci différent communication yi nga xamantene def nañ ko fi ci remise officielle bi